il s'était bien entraîné la semaine dernière physiquement. Lundi, il a commencé le rugby et puis il a eu de nouveau une petite alerte. Donc, on n'a pas voulu prendre le risque. Il doit revoir le spécialiste pour savoir, mais il va bien mieux, mais ça n'était pas à 100% pour rejouer. Donc, on l'espérait, mais non, il sera pas là. Il n'est pas dans le groupe des 25 et il sera pas sur le terrain jeudi soir. On va essayer d'avoir une équipe très compétitive. On risque d'avoir Wilkinson à l'ouverture avec Mignoni à la mêlée. Par contre, bon, Tom May et Lovo Balavu ont été bons au centre, donc ils risquent de rattaquer au centre. Giovanni Kerk, normalement, sera le capitaine. Voilà, un gros challenge pour nous et il va falloir vraiment mettre beaucoup d'appétit. Les supporters qui vont venir jeudi seront sûrs de voir un match de haut niveau avec une équipe qui met un engagement physique total et qui est assez impressionnant dans les rucks classiques d'une équipe anglo-saxonne, en plus entraînée par un Sud-Africain. Donc le duel est permanent. Et donc ça va être un match de haut niveau. Nous, notre objectif, c'est toujours d'essayer de rester invaincu à Mayol. Et là, jeudi, on a un call hors catégorie jeudi soir. Elles jouent beaucoup l'occupation du terrain dans leurs 30-40 mètres. Donc un petit peu sud-africaine. Après, elle a deux charnières aussi, donc ils jouent un jeu différent si c'est une charnière ou l'autre. Mais bon, c'est une équipe qui est bonne en touche, avec Borthwick, qui est le capitaine de l'équipe d'Angleterre, qui est bonne en mêlée, mais qui est surtout très très bonne en défense. Elle a une défense agressive. On va dire leur meilleure attaque, c'est pratiquement leur défense, ou c'est une défense qui coupe les extérieurs. Ils mettent beaucoup d'appétit dans le 1 contre 1. Ils viennent te plaquer à deux. Ils contestent très, très bien le ballon. Et puis après, ils ont typiquement des finisseurs, des mecs qui vont très vite. Donc sur tous les ballons de récupération, c'est une équipe très dangereuse. Donc ça va être un match de haut niveau. Et on aura besoin d'une belle équipe du RCT, d'un beau public jeudi soir pour être derrière nous.